Bonjour, c'est Arcadia. Donc, on se retrouve aujourd'hui au calme, au bord de cet étang, à siroter un petit rosé, à se faire son petit barbecue. Donc, on va aller pêcher la galinette cendrée, on va chasser le colvert après un long service en train. Et oui, on est au calme, ça fait du bien. Donc, je vous ai amené ici parce qu'en fait, là, je suis sur le DLC Isle of Wight. Donc, il est en promotion sur le Play Store à 19,90 € au lieu de 24,90 €. Donc, en fait, comme vous le savez, dans la plupart des trajets, des DLC, vous avez des collectibles à trouver. Moi, je ne les fais pas forcément. Mais savez qu'ici, c'est une petite ligne. Donc, 99% des collectibles sont à trouver dans les gares. Sauf ici, il y en a un. Donc l'appareil photo, donc vous avez des appareils photo à trouver, des petits présentoirs de glace, des tickets perdus et des cartes. Vous voyez la map de l'itinéraire. Donc ici, on a un petit radar. Donc en fait, il faut s'arrêter sur la ligne. Vous voyez, mon train, il est là-bas au fond. Vous avez un petit passage à niveau, on va dire, où on peut passer à pied. Et en fait, j'ai remarqué qu'il était ouvert. Donc j'ai vu ce chemin et je l'ai pris et j'ai trouvé donc le fameux dixième appareil photo qui me manquait. Donc on va s'approcher et voilà. On va le prendre. Et le voici. Et ça vous débloque donc un trophée. Je vous dis c'est assez facile. Il n'y a vraiment pas de problème pour trouver tout le reste des autres collectibles. Vous avez aussi un autre appareil photo qui se trouve là-bas tout au bout. Tout au bout, au terminus, il se trouve ici, là, vous voyez le petit point blanc, je vous le mets ici, il se trouve au bord de la promenade du boardwalk, ce qu'on appelle en anglais boardwalk, la petite promenade, vous contournez le parking sur le bord du bâtiment et vous le trouvez ici. Voilà, la plupart du reste des collectibles est assez facile à trouver, donc je vous montre quand même sur la map où je suis. Donc voilà. Vous faites, au pire, vous créez un scénario perso, vous démarrez d'ici. Voilà, vous longez la ligne là et vous arrêtez juste ici. Voilà, et le passage il est là. Et vous trouvez ce radar. Donc, ce qu'on va faire, ben moi, il est temps maintenant. Je vais ranger ma glacière, hein, je vais ranger mon rosé, puis tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai pêché. J'ai pêché de la carpe, j'ai pêché de la galinette cendrée. Voilà, je suis bien content. Et donc, on va aller faire un petit service perso. Donc, forcément, on peut pas mettre beaucoup de trains, hein, vu qu'il y a que deux voies. Donc, voilà, on va croiser trois trains, c'est tout, qui sont à l'arrêt. Et donc, on va aller faire un petit tour. On va faire la ligne complète sur à bord de la BR 483. Donc, je vous retrouve tout de suite. Et nous voilà donc à bord de la classe 483. Donc on va préparer notre trajet. Donc c'est parti. On va déjà préparer la loco. Donc là on voit pas très bien. On va mettre la lumière. Donc en fait vous avez une petite lampe avec votre personnage lorsque vous êtes levé. Il suffit d'appuyer sur la croix directionnelle droite. C'est déjà plus pratique. Voilà. On va se rasseoir. Ici, vous avez donc les phares, on va les allumer. L'éclairage de la cabine, voilà, on est déjà mieux là. Et l'éclairage des instruments qui sont ici, voilà. Et par contre, on va se lever, on va ouvrir notre porte. Vous voyez là, c'est tout éteint, donc il n'y a pas de voyageurs, hein, mais bon, on va faire comme si. On va allumer notre lumière. Et là, vous avez un petit tableau pour allumer les voitures voyageurs. Voilà. Fait. On ferme la porte. Voilà, c'est allumé, comme ça ils auront de la lumière. Hop. On se rassoit. On va mettre l'inverseur sur avant 1. Hop. On va desserrer les freins. Touc. Et c'est parti, mon kiki. Donc là, hop. Donc moi, il y a toujours ce petit. Le petit stri rouge là lorsque je démarre à chaque fois, bon je sais pas trop pourquoi. Et patine un peu. Donc là on va pouvoir aller à 45 miles une fois que notre convoi sera passé. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc là, on peut pas trop mettre de locaux, hein. Il n'y a qu'une voie, voire deux à certains endroits. Donc j'essaie de les placer pour pouvoir les apercevoir. Il doit y avoir trois locaux. Donc
Donc on va ouvrir les fenêtres pour le son, mais bon, on n'entend pas très bien non plus. Donc là, on a un arrêt à 1,5 miles. Donc petit voyage tranquille jusqu'à la mer. Le W, ça veut dire qu'il faut utiliser l'avertisseur sonore. Là, hop, je vais mettre mon manipulateur sur off. Voilà, vous avez un petit passage là. Alors, c'est pas des voitures, hein, je pense que c'est des gens qui sont à pied, hein, forcément. C'est assez étroit. Alors il y a bien les indications au bord de la voie, c'est sympa. Ah, commence à ralentir. Ah, pareil, il va falloir utiliser la avertisseur sonore. On va commencer à ralentir tranquillement. Et là, on va avoir une limitation à 15 miles. Donc on va commencer à ralentir. Ça sera en sortie de gare, me semble-t-il. Donc quand vous avez un petit triangle avec un chiffre, ça veut dire qu'il y aura un ralentissement. C'est bien comme ça, on est averti. C'est pas comme sur North Transpennine où là, franchement, il n'y a aucune indication ou presque. Ou lorsque vous avez un chiffre, c'est tout de suite. Donc, on se fait vite avoir. C'est vraiment du par cœur. Voilà, c'est juste ici, c'est avant même. Hop, vous voyez. Sympa cet avertisseur. Voilà, on arrive tranquillou. Ah, je me trompe de bouton. Ah, on ouvre les portes. Alors, vous avez des boutons à l'intérieur là, mais bon, ça fonctionne pas toujours bien. Juste à côté des lumières. Panneau là. Alors, on va attendre un petit peu. Là, de toute façon, personne monte. Ah, petite sonnerie. Hop. On desserre les freins. Et c'est parti. Voilà, toujours ce stri rouge là, comme si je patinais. Là, on est limité à 15. Alors, je regarde où on est sur la carte. Ok. Donc, souvenez-vous bien de cette gare, je me rappelle plus du nom. J'ai pas le temps de regarder. Et je vous montrerai, il faut descendre, ben... Je vous avais déjà montré tout à l'heure pour aller choper l'appareil photo qui est un peu caché. Voilà, je suis un peu dans le rouge, mais bon, on va pas tarder à. Voilà, c'est bon. On va pas tarder, hop, à monter à 45 miles, c'est parti. Je vous montrerai le petit chemin.
pas dans le bon sens. J'aime bien les petites lumières là, les feux de gabarit à l'arrière. Ça allume bien. Je regarde, c'est pas là. Voilà, ça descend un petit peu, il y a des petits du petit dénivelé. Pas grand chose, mais du 20%. Donc soit ça grimpe, soit ça descend. Donc cette loco, hein, elle était utilisée sur la Bakker Blue Line à une époque. Par contre là, on peut pas mettre la loco de la Bakker Blue Line sur cette ligne. J'ai pas pu la mettre. Alors là où je klaxonne, vous allez avoir un petit passage. Voilà, on va pas très bien. Et c'est ici le chemin qu'il faudra prendre. Voilà, vous avez vu, j'ai tourné un petit peu, c'est vrai que ça fait un peu sombre, c'est juste avant le pont là. Et vous continuez en marchant, vous arrêtez. Donc là, je vais avoir une limitation à 20 miles pour aller chercher le fameux appareil photo. Faire une pause. Pour le petit passage et je klaxonne lorsque j'arrive à cette gare, à cet arrêt. Voilà, limitation à 20 juste ici. Touk. Alors on va pouvoir passer à 40. J'aime bien klaxonner ici, hein. C'est la race campagne, encore une fois. Terrain de foot, une petite île sympa, des moutons, la soupe de mouton c'est super bon, si un jour vous avez de la chance d'aller en Islande, c'est ce qu'il faut prendre en premier, soupe de mouton. Donc là-bas le mouton il est en pleine nature, il n'est pas parqué. Elle roule bien, elle accélère bien. En plus, j'ai une petite pente là. Quand c'est sur du plat, elle y va. Hein. Ah, je peux remonter à 45 en plus. Ah, il y a une petite pente d'1,3. Là, elle souffre un petit peu.
ça descend. On va commencer à ralentir, on est presque arrivé à la gare, à l'arrêt du moins. Et je vais avoir une limitation à 30 en sortie de gare. Les portes. Donc là-bas, hop, vous avez le loco. On passera devant tout à l'heure. Je peux pas aller plus loin avec cette caméra. Voilà. On desserre les freins, donc on est limité à 30. Donc là, elle attend tranquillement, hein, vous voyez, cette diesel, elle fume un petit peu. Une fois que je serai passé, ben, elle va partir. Oh, il m'a mis celle-là, c'est pas ce que j'avais choisi, c'est une 37 celle-là. C'est l'autre que je voulais mettre de West Somerset Highway. Il m'a mis celle-là. Transport de marchandises, bon, voyez, elle part là. Bon, on est bien d'accord qu'il n'y a pas ça sur cette ligne. Mais bon, c'est des petits plaisirs. Si je vais avoir une limitation à 20. Du vert, on est bon. Il y a du bruit, hein. Et là, donc, vous avez une autre 483. Donc là, j'ai fait un livret Island Line. Voilà, donc c'est un livret qui existe. Hein. On le verra mieux tout à l'heure à la fin de la vidéo du trajet. Ça descend, hein. Là, vous avez une classe 07 ou 08. Voilà, avec ces wagons voyageurs. Ces voitures voyageurs, pardon. Ouais, je pense qu'elle va attendre un petit moment, hein, parce que comme il n'y a qu'une voie, pour pas de partir. Et voilà, c'est tout ce qu'on aura en loco sur cette ligne, hein, parce qu'on peut pas en mettre beaucoup. J'aurais pu en mettre une devant moi qui me gêne, mais bon, franchement, là, c'est pas la peine. Par contre, comme il y a qu'une, elle s'arrêtera au même endroit que moi, donc moi après, je pouvais pas finir le parcours, c'était logique.
prendre le tunnel. Ah, ça bug. Pour changer la caméra là. Là, on voit rien. Hein. Les phares sont pas très efficaces ici. Voilà, puis l'arrêt est juste après. Ou presque. On va accélérer un coup parce que ça grimpouille. Et là voilà, on commence à voir la mer. Plus l'océan, pardon. Oula, j'ai freiné un peu tôt. Voilà. Et voilà, au coucher, tranquillement, on va déposer nos derniers voyageurs. Ils vont prendre le ferry ou le bus, vu qu'il y avait un bus là-bas au fond. Là, vous avez un autre appareil photo. Et je vous montrerai un qui est... Normalement, ils sont très simples à trouver. Hein. C'est toujours dans les gares. Et il y en a un qui est un peu plus caché là-bas. Tout au bout, je vous montrerai où c'est. Et on va finir tranquillement notre voyage. Donc la ligne elle fait 12 km, hein, c'est pas bien long. Mais bon, elle est sympathique. Donc l'appareil photo, il y en a tout au bout là-bas. Vous voyez, je mets le pointeur tout au bout de la route là-bas. Donc vous passez dans le bâtiment, vous sortez sur le parking, vous longez le parking. Et il est là-bas, il est caché là-bas. Il est juste au bord de la route où il y a les voitures qui arrivent là. Hop, là au fond. Et il doit en avoir un là aussi. Il y en a deux dans cet endroit, je crois. Voilà, je vais peut-être pas m'arrêter ici. Là, on est limité à 15. On va avancer un petit peu. Là-bas, là, on le voit peut-être, et par là, voilà, juste dans l'angle ici, là où il y a les deux voitures qui se croisent, et moi je vais m'arrêter ici. Voilà, terminé. Donc 22 minutes, 8,3 miles, donc ça fait à peu près 8 x 5,40, ça fait 12 km quoi, voilà, tout simplement. Alors j'espère que ce petit trajet vous a plu. Donc le DLC est développé par Rivet Games, vous voyez, c'est indiqué ici. Vous avez tous leurs réseaux sociaux, la chaîne YouTube. Donc moi, cette ligne, ben, franchement, j'ai bien aimé. C'est clair qu'elle est courte, 12 km. Mais franchement, cette loco est un peu plaisir à conduire. Les indications sur la ligne sont vraiment bien indiquées avec les vitesses, tout ça. Donc si on joue vraiment sans les indications à l'écran, c'est un petit plaisir. Il n'y a aucun bug, ça a signalé. Donc la prochaine fois on va se retrouver donc soit sur Great Western Express, puisque moi l'avec Chris ça fait une vidéo dessus, donc m'a bien confirmé que les scénarios perso fonctionnaient. Donc j'en ai fait un avec la classe 43, puisque lui il avait fait avec la classe 166. Donc moi j'en ai créé un avec la classe 43, donc le train à grande vitesse, donc ça fait bien
pas trop mal passé, ça s'est même bien passé, ça fonctionne très bien. Et la prochaine vidéo, il y aura aussi, on va revenir sur les CE, sur Aix-la-Chapelle, Cologne. Ah, je vais faire avec, j'ai fait un scénario perso aussi avec. Et donc en attendant, bien sûr, le TGV qui arrivera certainement en mois de décembre. Ne me demandez pas la date, je ne sais pas, Dovotal Games nous l'annoncera en temps et en heure. Donc moi, je vous laisse sur ce joli coucher de soleil avec ce livret que j'ai créé, qui existe vraiment dans la vie. Hein. Livret rouge et blanc de la classe 483. Et moi, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.